Marlon et Lily? Je pense qu'il faut lui laisser un peu d'espace. Elle doit avoir besoin d'être seule. Japoy. Lily. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, maman? J'ai fait tout ce dont j'étais capable, moi. J'ai fait enfermer Arnaldo. J'ai fait enfermer Emilia. J'ai même réussi à prendre le pouvoir à Julio, maman. Et j'ai mis le dragon rouge derrière les barreaux. Mais que s'est-il passé? Ils sont passés où, tous mes efforts? Dis-le-moi, maman, hein? Où ça? De toute évidence, j'ai simplement échoué, voilà. Chérie, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as tout fait et tellement plus encore, Lily. Alors ne remets jamais en question tes capacités. Je sais ça! Je ne veux pas faire ça, mais j'y suis bien obligée, j'en ai marre! Je ne veux pas abandonner, mais c'est tellement épuisant à la fin! C'est terrible, nos plans partent tous en fumée, quoi que je puisse faire! Trop de gens se sont tellement sacrifiés pour moi et certains l'ont même payé de leur propre vie. Mais pourquoi au final, hein? Je fais tout pour les mettre derrière les barreaux et ils sont simplement relâchés à peine quelques jours après. On épuise toute notre énergie, on travaille jour et nuit, on fait tout pour les traduire en justice, mais pourquoi on fait ça? Pour terminer ainsi ensemble et impuissants à aller regarder partir comme si... comme si rien ne s'était passé, comme si ça n'avait servi à rien. Je ne veux pas abandonner, je... Mais je perds espoir de pouvoir faire parler la justice, maman. La justice existe-t-elle seulement? Je ne pense pas. C'est ce que je ressens maintenant, je crois qu'il n'y a pas de justice, tu vois? Parce que tous ces criminels-là... Ils n'ont qu'à utiliser leur argent pour contourner la loi. Alors qu'est-ce que je dois faire, dis-moi, hein? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Ardiente, à la fin? Ils veulent peut-être que je les punisse moi-même, c'est ça qu'ils veulent, et que je me charge de rendre la justice, non? Hein, dis-moi, parce que si c'est ce qu'ils veulent... Alors que papa me pardonne d'où il est, parce que je leur rendrai service un jour. Lily, on savait depuis le début que... ce ne serait pas facile de vaincre notre ennemi. Mais Lily, tu sais ce qu'on doit faire. Peu importe le nombre de fois qu'on tombe à terre, on doit se relever. Et on continuera à se battre et c'est tout ce qui compte. Voilà ce qui compte. Et si ton père est mort, c'est pour... c'est pour montrer la voie à sa fille, à Lily Cruz. Une Lily Cruz qui est prête à se battre pour le peuple. Parce que tu es la seule à pouvoir se battre et faire tomber les Ardiente comme ils le méritent. Il n'y a que toi. Lily,
Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner, d'accord? Continue à te battre. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Et où dois-je vous emmener, madame? À l'endroit où je me sens vraiment bien. Ça en premier. Remplacez-moi ça. C'est bon, ça? Mac Banois. Gouverneur. Je veux que vous gardiez les portes ouvertes. Vous savez quoi faire. Ah, et toi, mon petit-fils, reste dans mon bureau jusqu'à ce qu'il soit temps, bien entendu. Bien compris. À plus. Je vais. Oh. Et de quoi vous parlez, tous les deux, papa? Non, rien. C'est une bonne chose que tu sois ici. Au moins, là, la famille est au complet. Que se passe-t-il, papa? C'est pourquoi, ça? Encore une chose, là. J'aimerais que tu portes ta plus belle robe haute couture parce que ça va être l'heure du spectacle. Waouh! Ça va être une sacrée nuit, celle-là. Nous sommes en direct de la résidence Ardiente, où est arrivé un invité très spécial de la première famille de Poblacion Ardiente. Ce soir, en effet, l'invité d'honneur est la lumière de la maison de Julio et de sa fille Emilia, la lumière de notre ville également à n'en point douter, la seule et unique, Madame Elena Montoya. Une réunion de famille pour tous les âges. Alors restez à l'écoute de tout le monde et rejoignons la famille Ardiente. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Pour commencer, permettez-moi de dire que notre réunion est un événement important. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Un événement trop rare parce que pour la première fois, nous allons dîner avec ma bien-aimée. Ma belle Elena. La si belle et douce Elena. Et ce, pour dire simplement que le plus beau cadeau que nous puissions recevoir pendant les vacances est de savoir que nos familles sont unies. Une famille pour laquelle nous devons nous battre, vous le savez. Une famille, vous le savez, mérite que nous luttions de toutes nos forces afin de la protéger contre les personnes mal intentionnées qui chercheraient à lui nuire, voire même à la démolir. Mes chers amis, depuis plus d'un siècle déjà, c'est la famille Ardiente qui s'est occupée de vous et qui vous a montré tout son amour et qui vous a élevé. Et nous vous avons prouvé notre amour pour vous. Nous avons contribué excessivement au travers d'infrastructures, de terrains éducatifs. De logements, et bien sûr, simplement, par le meilleur que votre cher gouverneur Julio a déployé pour vous. Mais c'est bien triste de penser que nous avons des opposants qui cherchent à impliquer notre famille dans des crimes. Avec lesquels nous n'avions rien à voir, et contre lesquels nous avons toujours lutté.
Tout d'abord, ils ont tenté de renverser mon petit-fils, dont je suis si fier. Le maire Arnaldo. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce soir, car il est encore en convalescence, où il récupère de ses blessures. Après ça, ils ont pris pour cible ma fille bien-aimée, Emilia, ici présente. Ils ont essayé de l'emprisonner, avec des accusations vides et sans aucun fondement. Mais ils ne se sont pas contentés de cela. Ensuite, ils m'ont attaqué, moi. Ils ont tenté de me renverser en tant qu'honnête gouverneur de cette si jolie province. Leur immoralité ne connaît pas de limite, mes amis. Et donc maintenant, ils ont concentré leurs yeux et leur attention sur Elena. Et tout comme pour Emilia, ils l'ont accusée de crimes horribles, sans le moindre fondement. Maintenant, laissez-moi vous demander, permettriez-vous à ces personnes de ruiner cette famille dont le seul objectif a été de vous servir, d'optimiser vos intérêts et d'assurer votre bien-être et votre sécurité depuis un long siècle déjà? Bien sûr que non. Surtout maintenant qu'il se remet avec Elena Montoya. Waouh! Ils ont une si belle famille. On devrait prendre exemple sur eux, hein? Mais quel menteur! C'est encore une ruse! Il aurait dû dire que leur famille de tueurs et de voleurs était enfin réunie, plutôt, oui. J'en suis certaine, oui. Que le dragon rouge, c'est bien Elena. Le gouverneur vient de trouver un moyen de la libérer. Eh bien, bonne chance à nous tous, si tu veux que je te dise. Parce que c'est sans espoir. La corruption et le meurtre ne partiront pas comme ça. Et ils sont bons qu'à ça, les Ardiente. Tu l'as dit, je suis bien d'accord. Il faut vraiment se méfier des Ardiente. Si t'es un criminel, mais dans le cas contraire, tu seras protégé, je crois. C'est vrai. Et ce sont d'excellents leaders, en plus. Je veux dire, les gars, vous avez tous vu le nouveau pont qu'ils ont construit, non? Les Ardiente ne font que nous aider. Vive Ardiente! Vive Ardiente! J'espère que vous allez rejoindre notre combat. Pour l'avenir de tout un chacun et pour le bien commun. Et nous aider dans la lutte contre ces graves nuisances. Vous savez ce qu'on dit, les individus qui crient le plus fort sont généralement aussi ceux qui ont le plus à cacher. Oui, mesdames et messieurs, et en ce sens, ces personnes pourraient bien être celles qui sont réellement responsables des crimes dont on nous accuse, ma famille et moi. Et c'est pour cette raison que nous devrions nous unir pour défendre et lutter pour notre province et la préserver de leur folie. Vive Ardiente! Vive Ardiente! Tu avais raison. Il n'y a vraiment que Lily Cruz qui pourra renverser le clan des Ardiente. À partir de maintenant, je vais donc me faire justice moi-même. Si c'est un combat qu'ils réclament, eh bien, je vais le leur offrir sur un plateau d'argent, avec la punition qu'ils méritent tous depuis bien longtemps. Bien. Merci beaucoup à vous d'être venus. Ce fut un véritable plaisir. Merci. 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 Joyeux Noël. Merci. Et vive Ardiente! Vive Ardiente! Merci. Passez une bonne fin de soirée. Ça va? Au revoir. Bonne nuit. Et attention sur la route. Bonne nuit. Passez une très belle nuit, les amis. Le prix du meilleur ensemble est attribué à la famille Ardiente. Excellent jeu, vous tous. Merci. Comment est-ce que c'est arrivé, hein? Emilia. Maman, tu m'as dit que quoi qu'il arrive, tu n'accepterais jamais la moindre aide qui pourrait venir de la part de papa. Et aujourd'hui, tu formes cette alliance avec lui. Ferme ta bouche, Emilia. Écoute. J'ai simplement aidé ta mère à sortir de prison, voilà, c'est tout. Est-ce que t'as un problème avec ça? Et comment?
Bon alors, fais ton choix. L'argent ou une balle? Je n'ai pas prévu de mourir. Il y a une maison pour vous à Bitsak, Isabella. Ne revenez pas ici. Laissez-moi! Lâchez-moi! Raoul Huardiente, pourquoi est-ce que vous me faites ça, hein? Je n'ai pas trahi le dragon rouge. Peut-être pas elle, mais moi, oui. Tu sais quoi, Matteo? Tu es un joker. Tu pourrais trahir le dragon rouge uniquement à cause de ta haine pour moi. Ça, je le sais bien. Raoul Huardiente, je ne ferai jamais ça, alors pourquoi vous me faites ça à moi? Matteo, mais enfin, tu ne vois pas à quel point j'essaie d'être magnanime? Je te donne une chance de vivre. Alors quitte Poblacion Ardiente et ne regarde jamais en arrière, tu entends? Parce que si tu ne le fais pas, tu seras accueilli avec une balle entre les yeux. Hasta la vista, mon cher. Je t'avais bien dit de te présenter du bon côté. Lustre vous a déjà rendu service. Ce que vous demandez n'est pas une tâche facile, Julio. Que dites-vous de ça, alors? Un joli milliard de pesos, c'est peut-être suffisant. Je suis certaine, papa, que tu as utilisé l'argent des gens pour corrompre ce juge, non? Maintenant, je veux savoir comment tu envisages de le rendre. Pour ton information, Emilia, je n'ai pas l'intention de rendre le moindre centime en retour. Mais je m'attends à ce que Elena me paye, moi, comme une forme de gratitude pour les efforts que j'ai déployés pour la faire sortir de prison. De toute façon, j'imagine qu'un milliard de pesos n'est pas beaucoup pour elle. C'est bien vrai, Julio. Ce n'est pas beaucoup pour moi, un milliard de pesos. Et un jour, tu verras, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Quoi? Oh, vraiment? Bon, eh bien, nous allons poursuivre cette petite mascarade, d'accord? Jusqu'à ce que tu aies épongé ta dette envers moi, pas moins d'un beau milliard de pesos. En espèces, bien évidemment. Marché conclu. Et pendant ce temps-là, on devra continuer à faire illusion et laisser croire à ces gens que nous sommes une grande et heureuse famille. Quoi? Eh bien, Julio. Oui? Je suis tout à toi quand c'est tu répugnant. Veux. Je vous laisse. Je ne compte aller nulle part. Arrête de me chuchoter à l'oreille. Flirt? Ben quoi? Non. Rien, tu en es vraiment certain? Je n'aime pas ce regard sur ton visage, toi. Hein? Qu'est-ce que tu essaies de sous-entendre, dis-moi? Hein? Je dis simplement qu'on a un plan. Patron, le Dragon Rouge et les Ardiente travaillent ensemble. Tu es bien sûr que le Dragon Rouge, c'est Elena Montoya? C'est comme si tu ne connaissais pas les Ardiente. Je parie que le gouverneur a déjà effacé le nom d'Elena Montoya. Pour que le moment venu, il soit du même côté. Quel est votre plan maintenant, patron? Les Ardiente sont devenus plus puissants avec le Dragon Rouge à leur côté. Nos opérations sont en danger ici.
Enfin, je veux dire que nous ne sommes pas grand-chose comparé à des groupes de cette envergure-là. Boss, dites-moi, est-ce qu'on ne devrait pas rejoindre le groupe ? Écoutez, si ce groupe-là a été formé, eh bien, c'est pour affronter les Ardiente. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons les faire tomber un jour. Mes propriétés. Alors, œil pour œil, mon cher dragon rouge, le combat est lancé, parce que tout le monde sait, sans le moindre doute, qu'Elena Montoya, ici présente, n'est autre que le dragon rouge. Cette fois, je t'ai eu. Je t'ai pris en flagrant délit, dragon rouge.